Bon, salut les amis, encore une petite vidéo là. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je suis en train de me demander sincèrement, la résistance, elle est verrouillée. Nous sommes infiltrés de partout. L'infiltration est énorme. Ils ont vraiment pensé à infiltrer d'une manière très intelligente. Nous avons le cas Corinne qui a le profil d'une maman confiante, combative. Je viens d'apprendre qu'elle sortait d'une école de jésuites. Une école des jésuites, bon. Nous avons le cas aussi de Saber Solo, qui a le profil du maghrébin né en France. Qui est clairement athée, pour pas dire peut-être même initié à la franc-maçonnerie. Qui attire donc une certaine clientèle. J'appelle ça de la clientèle. Hein. À ce niveau-là, c'est de la clientèle. Hein. Nous avons le cas le plus connu, Dieudonné. Clairement, il est initié, ce mec. Il est clairement initié. Le coup de la Palestine, du million d'euros qu'il devait envoyer à la Palestine, et qu'avec sa tête de mort en direct sur sa chaîne, il a fait un chèque d'un million de francs CFA. Violent. Violent. Donc on a le côté humour qui attire vraiment beaucoup de personnes. Si t'as sa quenelle et je sais pas quoi là, il a fait pas mal de fric là-dessus. Hein. Donc c'est le plus gros businessman de ce milieu infiltré. Hein. Je pense à mon avis. Hein. Mais je pense qu'on est loin de... On est loin, 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 loin de la grande surprise qui nous attend. Nous avons le Soral qui fait qui est le profil type du franchouillard, combatif, résistant. Lui aussi, il a fait pas mal de fric. Hein. Contre-culture, etc. Enfin bref, tous les dérivés. On peut faire les cas comme ça jusqu'à ne plus finir. Hein. Les infiltrés, ils sont partout. Hein. Quand je parle d'infiltrés, les trois quarts sont initiés à la franc-maçonnerie. Ça, c'est clair, net et précis. Plus ça va et plus ça se confirme. Wanted pédo. On retrouve justement des connexions qui sont assez, assez troublantes. Entre Corinne et Wanted Pedo. On sait clairement que cette organisation Wanted Pedo discrédite des victimes. Discrédite les victimes. Comme Corinne, l'exécuter en liberté, en voyant pas mal de familles victimes de pédophilie et d'abus sexuels. Les a fait passer pour des folles. Est-ce que vous comprenez mieux le système? Ils rabattent des gens, Dieudonné, allez, on va sauver la Palestine, Soral, oui, antisioniste, yeah. Saber Solo, ah, il est partout en ce moment, il court partout, oh là là, il fait des réunions. Les doués d'intelligence,
on sentit le problème. On sentit venir le monstre qui bouillait de l'intérieur là. Parce que c'est un monstre qui bouille de l'intérieur depuis des années en fait. Hein. Maximus, The Blo TV Blocus, lui c'est un fromac, garanti. J'ai tellement gratté de dossiers là que je suis tombé des nues. Là je suis complètement tombé des nues. Jean Roc, franc-maçon initié. Je sais bien qu'il va y avoir encore toutes les groupies qui vont venir. Ah non, attends, ils dénoncent la vérité, c'est des gars. Ils dénoncent la vérité. Je vais répéter encore une fois. Le Satan, il utilise la vérité pour vous endormir. Tout le temps. Ça marche toujours comme ça. Il va utiliser la vérité, quelque chose qui est sensible, qui est important pour vous, qui est accrocheur. Dès qu'il vous a accroché, le fer, il le tire et c'est fini. Là. Il vous sort de l'eau. Hein. On appelle ferrer ça, ferrer un individu. Certains, il en fait tous les jours. C'est de la pêche industrielle. Donc Jean Roc, bien sûr, il est arrivé, boum, il a marché, il a cartonné sec. Corinne, cartonne sec. Tous ces gens-là, si vous remarquez, ils cartonnent sec. Hein. Il y a des procès, il y a des choses, mais bon, c'est du théâtre tout ça. C'est du théâtre tout ça. Que dire de plus, franchement. On est cerné. Hein. Faut les cramer. Hein. Faut les démasquer, là. Faut dire à tous leurs suiveurs, là, attention, vous êtes en train, vous êtes ferrés, là. Il est temps de faire du nettoyage sec. Le 3 mai, là, enfin, le 3 septembre, Maximus, le Malinus, le TV Blocus, a organisé une manifestation. Tous ceux qui vont y aller, là, ils vont vous ratisser toute votre énergie. Ratissage complet. Vous n'allez même plus savoir ce qui va vous arriver après. Ce mec, c'est un franc-maçon qui travaille avec les côtés obscurs. Il va utiliser tout ça et vous pomper toute votre énergie. N'y allez pas. N'y allez pas. Faites comme vous voulez. Si vous tombez sur cette vidéo, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. N'y allez pas. Voilà, donc... même franchement, je me risquerais même de dire... la chaîne Heure, l'heure de se réveiller, là. J'ai un doute. Hein. Tu as fait un direct avec Saber, là. Je t'ai demandé de t'expliquer en direct sur le problème que Corinne t'a coupé toutes tes pages. T'es venu, t'as commenté sur la vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier, je sais plus. T'as pas demandé. T'as pas demandé des comptes. C'est étonnant. J'ai un doute maintenant envers toi, mec. Pourtant, tu fais de l'excellent travail. Satan, il fait toujours de l'excellent travail. Hein? Hein? T'es arrivé d'un coup, frérot. De nulle part, il t'arrive avec des vidéos de ouf. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu n'as pas demandé ça. C'est une question. J'aimerais que tu m'expliques, s'il te plaît. Explique-moi. Sinon, j'aurai encore un doute pour toi aussi. Hein. Et je pense que la vérité, les gars, là, ceux qui m'écoutent, on va tomber des nues encore, là. Allez, bonne continuation. Hein.